Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une ce soir, Soumaïlou Boubaï Maïga en déplacement au Burkina Faso. Une visite du Premier ministre malien pour renforcer la coopération entre les deux pays frontaliers dans la lutte contre le terrorisme. Le Mali et le Burkina Faso confrontés aux attentats à répétition et la menace demeure omniprésente. Le Mali et le Burkina Faso peuvent-ils former un nouvel axe pour contrer le terrorisme au Sahel? C'est la question au cœur de notre premier débat. Et dans la deuxième partie de cette émission, Tawarga, où l'impossible retour des habitants de cette cité du sud de Misrata, devenue une ville fantôme depuis la guerre civile, près de 7 ans après la chute du guide libyen Muammar Kadhafi, les 40 000 habitants devaient reprendre leur quartier, un retour empêché par les milices. Et dans notre grand angle, l'Union africaine qui serait finalement parvenue à une position commune pour la renégociation d'un nouveau partenariat économique avec l'Union européenne. Et voici les invités qui vont nous accompagner ce soir. Madame Lady Ngo Mangue-Pesse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conférencière et également fondatrice de l'Alliance des femmes de médias. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Également sur ce plateau, Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Zara et bonsoir à toutes nos téléspectatrices et téléspectateurs. Place à l'actualité politique. Le Premier ministre malien Soumaïlou Boubaï Maïga est donc en visite au Burkina Faso. Objectif de sa rencontre avec son homologue burkinabé Paul Kabatieba, mieux coordonner les efforts dans la lutte contre le terrorisme qui frappe de plein fouet les deux pays voisins, deux pays qui tentent d'en organiser la riposte. C'est un reportage de Jean-Paul Ouédraogo. Nommé le 30 décembre 2017 à la tête de son gouvernement, c'est un bon spécialiste des questions de sécurité et de défense que le Premier ministre malien a effectué sa visite au Burkina Faso. Une visite placée sous le signe du renforcement des liens de coopération bilatérale et décentralisée entre les deux États. Nous avons estimé qu'il était absolument important que nous puissions relancer tous les mécanismes de coopération que nous avons au niveau transfrontalier d'abord, au niveau de nos régions, non seulement au niveau des appareils administratifs et étatiques, mais même au niveau des organisations de la société civile, au niveau des élus locaux, pour que nous ne puissions pas laisser aucun espace libre pour tous les éléments qui veulent amener la déstabilisation dans nos pays. Durant sa visite, le chef du gouvernement malien s'est aussi entretenu avec le président du Faso, Roch Kabore. À divers niveaux, les plus hautes autorités ont abordé avec la délégation qui l'a conduite d'autres points relatifs à la prise en charge des populations déplacées de part et d'autre des frontières du fait de la menace terroriste. Également, au nombre des questions d'intérêt mutuel, des perspectives économiques au profit des populations. Au-delà donc du renforcement donc de la communication et de la coopération entre nos gouvernements au niveau sur le plan bilatéral, et comme je te l'ai dit, cela vient donc s'ajouter à ce qui existe au niveau sous-régional. Comme vous le savez, nous travaillons tous au sein du G5 Sahel, nous sommes tous membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, nous sommes tous membres de la CEDEAO. Alors ce que nous faisons vient ne faire que renforcer ces organisations sous-régionales-là. Le Mali et le Burkina Faso font face à un ennemi commun, le terrorisme islamiste. Cette rencontre a permis de renforcer les stratégies conjointes en vue d'une lutte coordonnée contre l'extrémisme. Les mécanismes sous-régionaux doivent être accompagnés par des actions bilatérales efficaces, ont affirmé les deux chefs de gouvernement. Alors, Pape Kabo vient tout juste de nous rejoindre sur ce plateau pour débattre justement de cette actualité. Bonsoir Pape Kabo. Bonsoir Zara. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci à vous de nous avoir rejoints. Alors première question, est-ce que c'est une sorte de task force antiterroriste qui est là en train de se mettre en place, Jean-Marie Bitomo? Je pense que voilà une rencontre qui fait suite. Vous savez bien qu'il y a quelques mois, il y a eu une rencontre, c'est-à-dire de tous les pays du G5. Il s'agissait de quoi? C'était pour mettre en place
une sécurité beaucoup plus renforcée. Donc ça concernait la coopération entre les États en tant que tels. Donc à partir de là, que vous ayez des rencontres qui soient des rencontres bilatérales, ces rencontres-là ont pour objectif de pouvoir renforcer cette coopération interne là, puisqu'il faut qu'il y ait des synergies qui soient créées à l'intérieur, puisque la plupart des pays ont des frontières qui sont pratiquement communes. Et nous savons aujourd'hui que ces frontières-là sont relativement poreuses, d'où la nécessité de pouvoir renforcer la coopération et les échanges d'informations entre les différentes armées du G5 au sein du Sahel. Parce que deux pays ou un seul pays ne peut pas venir à bout, si vous voulez, des forces terroristes que vous avez au niveau du Sahel. Donc, je trouve que c'est la poursuite de l'action qui a été mise en place il y a quelques mois afin de pouvoir renforcer cette coopération-là et d'asseoir une sécurité qui soit beaucoup plus renforcée. Donc à partir de là, j'estime que c'est une bonne chose concernant, si vous voulez, ces rencontres-là qui sont nécessaires vu l'environnement que nous connaissons et tout ce qu'il peut y avoir comme c'est-à-dire soubresaut à l'intérieur de la région, parce que vous voyez le Mali, ça fait depuis X temps que vous avez des forces qui sont présentes, des forces françaises, vous avez l'armée malienne, vous avez le Tchad qui est intervenu, comment dirais-je, au sein, c'est-à-dire de la zone, pour essayer de renforcer l'armée globale malienne, pour essayer de la renforcer. Ça a été, mais ça a coûté relativement cher au Tchad, d'où la nécessité qu'il y ait une coopération entre les États, puisque aucun État dans la zone ne dispose de fonds nécessaires pour pouvoir agir de manière une. Ledingo Mangue, PCF. S'il fallait trouver quelque chose de positif, hein, si j'oserais parler comme cela du terrorisme, on parlerait de ce que ça induit, cette nécessité de regarder les choses. On parle de coopération sud-sud. C'est le cas quand une case brûle. En effet, le voisin est en juste droit de s'en inquiéter parce qu'on ne sait pas ce qu'il adviendrait de la sienne. Et pour en revenir à ce que vous disiez, d'ailleurs, cette rencontre-là fait aussi écho au 18e forum de Bamako où justement le Premier ministre du Mali était là à la cérémonie d'ouverture et le sujet c'était déjà l'aménagement du territoire de l'espace sahélo-sahélien. Donc on est là en plein dans le vif du sujet. Il y a fort intérêt à ce que les gens se resserrent les coudes, les populations se resserrent les coudes pour pouvoir faire face à la question du terrorisme, sachant qu'il y a la question de la continuité territoriale par rapport aux populations, parce que souvent de part et d'autre de ces frontières poreuses, ce sont souvent les mêmes populations, les mêmes famille parfois que l'on retrouve. Il y a donc fort intérêt à ce que tout le monde se mobilise dans ce sens-là. – Alors, il est important, il est même vital que nous puissions avoir des informations utiles. C'est ce que dit le Premier ministre burkinabé Paul Kaba Tieba. C'est en effet un impératif, surtout quand on sait que, en tout cas, la facilité avec laquelle Ayuri Albata, donc le cerveau de l'attentat du 2 mars perpétré au Burkina Faso, à Ouagadougou, la facilité avec laquelle il a pu finalement mener son opération. On sait qu'il est parti du Mali vers le Burkina Faso. Il a complètement échappé au service de renseignement, au service de sécurité. Donc le renseignement, c'est un impératif et c'est quelque chose qui fait défaut aujourd'hui, en tout cas pour le Mali et le Burkina Faso. – Pas seulement, ça fait grandement défaut dans nos États, nos micro-États balkanisés, qui manquent cruellement de moyens, d'où donc l'intérêt de mutualiser les moyens entre les différents États voisins. Le terrorisme n'est pas une question que l'on peut gérer seul, surtout par rapport à nos États africains qui sont très démunis en termes de moyens et qui aussi ont des services de renseignement supposés existants, mais qui ne coopèrent pas assez étroitement les uns avec les autres, ces services de renseignement. Je pense que cette démarche bilatérale, elle est grandement importante, puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir. Je me demande même si on prévient, parce qu'il y a déjà eu des situations qui se sont produites, et il faut aujourd'hui faire face. Dans cette perspective de la prise en charge de cette préoccupation de sécurité que nos États ont, il est important, pour ne pas dire indispensable, de mutualiser les moyens et une visite de courtoisie, une visite bilatérale comme celle que mène le Premier ministre avec la délégation importante. En d'autres circonstances, on aurait dit une délégation prétorique, mais pour la circonstance, quand même, c'est une délégation importante qui doit examiner les différentes facettes de la problématique que pose le terrorisme et les autres questions. Jean-Marie Bitomont. Je pense que c'est la bonne démarche, si vous voulez. Bon, dans nos États africains, ils viennent souligner là le manque de moyens. Et ce manque de moyens-là,
oblige les États à coopérer entre eux. Tout simplement pourquoi notre invité, Madame Epesa, a parlé tout à l'heure de la porosité des frontières dont j'ai parlé. Donc il est nécessaire, parce que vous savez, il y a le Tchad qui avait essayé de mettre ça en place il y a quelque temps, c'est-à-dire le renseignement, c'est-à-dire des populations. Il faut, c'est-à-dire introduire la société civile dans le processus du renseignement. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle a parlé tout à l'heure des mêmes personnes que vous retrouvez d'un côté, c'est-à-dire du côté de la frontière, et de l'autre côté, dans l'autre État, vous retrouvez pratiquement les mêmes personnes. Donc ce sont des personnes qui se connaissent. Donc ces personnes-là peuvent servir des vigies dans tout ce qui concerne le renseignement militaire. Parce que là, c'est le renseignement qui passe. Non, c'est pas la police. Si, la société. Regardez un peu ce qui se passe en Suisse, Zara. Vous savez, en Suisse, pratiquement tout Suisse, c'est-à-dire un membre de renseignement, quand il y a quelque chose qui ne va pas, cette personne-là appelle la police. C'est-à-dire, dès l'instant que vous arrivez en Suisse, vous arrivez dans un endroit où vous n'êtes pas connu. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est complètement autre chose, pour ce qui est du Mali et du Burkina Faso, c'est complètement un système qu'il faut organiser, alors que la Suisse, c'est... Non, c'est un système organisé, mais déjà la porosité des frontières dont nous parlons. D'où la nécessité, si vous voulez, de ce renseignement-là de la société civile. On ne veut pas, c'est-à-dire, je ne veux pas attribuer à la société civile, si vous voulez, les missions de l'armée en tant que telle. Oui. Je veux parler tout simplement en termes de renseignement pour pouvoir informer les autorités d'une localité donnée. – En fait, une application éventuelle, je pense, dans une certaine mesure, je pense que Jean-Marie envisage l'implication de la société civile, pas forcément la société civile telle qu'on la connaît, mais des populations. Parce qu'aujourd'hui, face au danger, tout le monde doit pouvoir alerter lorsque l'on se rend compte qu'il y a des situations inhabituelles qui se produisent. On doit pouvoir alerter. C'est de cela qu'il s'agit, je crois, Jean-Marie. Tout à fait. Voilà. C'est de cette alerte-là. Quand je parle de la société civile, là, prenez pas au sens de la politique en tant que telle, Zara. C'est au sens, c'est-à-dire que tout le monde doit s'y mettre, parce que la sécurité de tout le monde en dépend. Donc, un renseignement peut sauver des vies. Absolument. Donc, à partir de là, quand vous passez d'un village à un autre, on voit que vous êtes un étranger. Donc, à partir de là, on se dit, bon, il y a un étranger chez nous, on ne sait pas ce qu'il fait, deux, trois personnes, ainsi de suite. Donc, ce renseignement va remonter vers les forces de sécurité. Et c'est ça qui permet une couverture territoriale beaucoup plus grande par rapport à l'information, parce que vous ne pouvez pas avoir les forces de police présentes partout chez nous. Déjà, nous n'avons pas les moyens, et ces gens-là sont généralement très, très mal outillés, d'où la nécessité d'avoir ce renseignement-là auprès de la base des populations. Alors, je voudrais rajouter, oui, ça c'est véritablement l'affaire de tous, et j'allais dire, ça n'est pas tant que de faire remonter une information, parce qu'à cause du terrorisme, tout le monde est une victime potentielle. Donc là où chaque individu peut agir, quel que soit le groupe auquel il appartient, société civile, État ou quoi que ce soit, chacun est une victime potentielle et doit pouvoir agir d'une part. Mais d'autre part, cela pose la question des moyens, parce que quand les gens se concertent, quand on parle de renseignement, il faut des outils. Et j'aime à dire que le terrorisme, on le voit, ils sont très digitalisés. Ils utilisent des outils, ils ont une avancée quelquefois inattendue, ce qui induit la nécessité pour les États de s'équiper, et pas seulement les États, mais de mettre à la disposition la connexion, par exemple. Parce que comment on fait quand on est sous une dune et qu'on a aperçu quelque chose de suspect? Est-ce qu'on envoie un télégramme? Est-ce qu'on fait, on fait un nuage de fumée comme les Sioux? Il faut donc que cela soit à la disposition de toutes les populations pour que véritablement ce sujet-là puisse être pris de front. Alors, dans ce cadre-là, je crois que la formation des populations est nécessaire, comme elle le dit Madame Epesa, c'est la formation. La formation, c'est-à-dire former ces gens-là. C'est-à-dire, bon, quelqu'un, aujourd'hui en Afrique, nous avons une couverture téléphonique qui est relativement importante, donc chacun peut prendre son téléphone, envoyer un SMS. S'il y a du réseau. S'il y a le réseau, bien sûr. Alors, on revient un moment sur donc, la question de la sécurité aux frontières. Alors, le Burkina Faso et le Mali, c'est une frontière terrestre internationale de 1000 km. Donc, les efforts pour la protéger vont être assez importants. Est-ce que les deux pays ont les moyens, ont les capacités? Il faut d'abord une volonté, et une volonté politique forte, de vouloir faire face à cette situation-là et travailler à impliquer les populations dans le processus de sécurisation de cette frontière. 1000 km de frontière, ce n'est pas 200, ce n'est pas 300 km, c'est extrêmement grand et ça demande des moyens. Et en plus, ce sont des zones qui sont assez difficiles
d'accès. Alors justement, comment les populations peuvent participer à cette protection? Ce n'est pas Ils peuvent parfois être en danger elles-mêmes. Le rôle de la population n'est pas d'aller chercher l'information pour la donner. Ce n'est pas leur rôle. C'est justement une fois que la population fait face à une situation inhabituelle, c'est d'alerter. Donc faire remonter l'information. Parce que c'est le rôle en fait des vigies. C'est cela. C'est le rôle en fait. C'est le rôle des militaires. Les frontières sont à la responsabilité des militaires, même pas des policiers. Ce sont les militaires qui sont en charge de la gestion des frontières entre les États. Donc, l'effort à faire, c'est justement d'éviter d'être laissé, comme l'a dit tout à l'heure madame, c'est de se battre contre le temps. Le meilleur, le plus grand adversaire pour la gestion des, la lutte contre le terrorisme, c'est le temps. C'est le temps. Les terroristes peuvent avoir de l'avance. Donc l'histoire, c'est de s'arranger pour que tous les endroits où il est susceptible de voir des terroristes profiter des failles ou des difficultés éventuelles pour y passer, c'est de se dire il faut gagner le combat du temps. Et maintenant, en cherchant à impliquer les populations, mais les populations ne peuvent en aucun cas être la solution première, c'est une solution subsidiaire. – Juste rapidement, ce n'est pas trop de rappeler que les terroristes ne viennent pas complètement d'ailleurs non plus. – Ah non, souvent, ils sont au sein de la population. Absolument. Donc il ne faudrait pas que l'on prenne ça de manière tout blanc, tout noir. – Justement, il ne faut pas que ce soit… C'est une stratégie d'ailleurs au Nord Cameroun qui a été mise en place par Boko Haram. Quand j'en parle ici, Lazara, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui ont déjà été expérimentées sur place. Ouais. Donc à partir de là, ça fonctionne. C'est pas tout simplement… C'est-à-dire… Le manque de moyens dont nous parlions là tout à l'heure est complété par cette information là villageoise, si vous voulez que je vous dise au mot, par cette information villageoise là qui remonte, si vous voulez, vers les autorités, les agents de renseignement qui sont là pour collecter ces renseignements-là, et ils les utiliseraient mieux que les villageois, ça va de soi. Ils n'ont pas, si vous voulez, les mêmes prérogatives que les forces de sécurité en tant que telles. C'est juste pour alerter en cas de danger. Sur la menace terroriste, on sait qu'il y a un an, il y a une fusion entre les groupes terroristes qui opèrent donc au Sahel. Est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, est-ce que cela a permis d'avoir une cartographie plus nette de cette menace terroriste au Sahel ? C'est un leurre de croire qu'on peut aujourd'hui. C'est un leurre de croire aujourd'hui qu'on peut cartographier de manière géométrique, dire à tel angle, à tel axe, à tant de degrés, il y a tel groupe, ils sont mobiles, ils bougent. Madame vient de le signaler, il y a dans la population certaines personnes qui ont adhéré aux causes pour lesquelles combattent ces terroristes. Ils sont en interne. Donc l'information est un élément capital. La mutualisation des moyens, je pense que c'est une idée à travailler, à favoriser, à soutenir. D'abord, moyens humains pour le partage et le gardiennage de la frontière. Deuxièmement, les moyens financiers. Ça demande des moyens financiers colossaux. Donc, au-delà de cette visite bilatérale entre l'autorité malienne et l'autorité du Burkina Faso, il faut que les autres États africains voisins pensent que s'il reste à attendre que ces deux États circonscrivent la situation et les protègent, c'est un leurre. Il faut qu'eux aussi s'impliquent et apportent leurs moyens pour justement éviter que de là partent ces terroristes pour justement aller infester d'autres endroits. – Je pense que c'est une dynamique qui est déjà mise en place, Zara. Vous voyez, la sécurité maritime en Afrique, vous avez les États de la CEDEAO qui ont tenu plusieurs conférences avec les États de l'ASEMA pour sécuriser, si vous voulez, tous les ports, qui partent de la Côte d'Ivoire jusque pratiquement, au Cameroun, au Congo-Brazzaville et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est déjà une dynamique qui est présente en Afrique. Cette dynamique-là, il convient tout simplement de la renforcer pour essayer d'avoir le maximum pour faire avancer la sécurité en tant que telle. Donc à partir de là, ce sont pas des c'est pas une première expérience. Les États africains se sont mis, c'est-à-dire au diapason, pour pouvoir combattre le terrorisme. Et vous avez déjà un certain nombre de conférences qui sont tenues pour ça.
Alors nous pouvons à juste titre croire que ce qui s'est fait au Burkina Faso ne concernait pas que ces deux États, le Mali et le Burkina Faso, bien évidemment non. Mais d'autre part, pour combattre le terrorisme aussi, ça n'est pas tant seulement les moyens, le renseignement et toutes sortes de choses, mais c'est aussi des politiques publiques pour permettre de juguler ce qui peut produire Absolument. Du terrorisme. Je voudrais parler là Tout des populations fait. De jeunes, notamment dont on sait qu'elles sont nombreuses dans ces mouvements-là. Donc à partir du moment où il y a ces dynamiques qui sont mises en place avec une démarche volontariste pour que les uns et les autres soient occupés à toute autre chose, on peut commencer à espérer qu'ils ne soient pas des proies faciles pour les djihadistes, par exemple. – Alors, justement, lors de cette visite, les deux gouvernements ont précisé que donc, la dimension du développement devait également être incluse dans le combat contre le terrorisme. On va marquer une courte pause, restez avec nous, on revient dans quelques secondes, à tout de suite.